Bon, voilà la préparation. Hein ouais, c'est parti. Bah, je vais en manger. Tu m'en donnes un petit bout de carotte. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas... Ouais, mais quand on donne les dons, c'est tout le... T'as pas besoin de ça, Serge, t'es assez aimable, toi. Avec les dons. Non, non, je retire le pain de la bouche de la demoiselle. Ah bon? Farcir le gigot. Là, l'oignon fait la force. C'est la mougette. Ah oui, c'est pour la mougette. Ah oui, les mougettes. Ah, elles sont là-bas, derrière les mougettes. Ah ouais, hein, c'est quand même pas facile le métier de coupeur de carottes. Hein. Si. Si, c'est facile. Ouais, tu te débrouilles pas trop mal. Attention tes doigts. Ouais, on mange que les carottes, on mange pas tes doigts. Hein. On mange le mouton aussi. Si ça saigne, c'est pas grave, c'est de la même couleur. Non, parce que les carottes c'est orange et le sang c'est rouge. Ah, faut pas essayer de la bluffer, hein. Mes chouis, les bonnes mougettes. Mougette Piat, oui, comme moi, parce que je m'appelle Piat. En plus. Ah, vous êtes tous pareils. Moi, quand on est grand, oui, la graisse, elle prend plus vite sur le feu. Hein. Ah, ça, c'est pour ça qu'il conseille justement un petit peu de manger de beurre, un peu quand même, un peu plus. Ouais. Pour le comment l'incinérateur, c'est mieux. Hein. C'est bon. Ça va plus vite. Ça va plus vite, quoi. Ah, sous le vent. Là, c'est bon. Et la technique là, ah, qu'est-ce que tu mets comme sauce là? Non, c'est de la sauce très salée. Très salée? Ouais. C'est salé, après. Voilà. Un petit coup pour que ça rosisse un peu. Voilà. Impeccable. Elle est préposée à la manivelle. Voilà, on prépare les petits bouts qui vont servir à l'apéritif. Là, on coupe les souris, là. Les souris. Et avec le sourire. Ça doit être chaud. Reviens sur moi. Non, reviens sur moi. Top. Je jamais dans ce sens-là. Non, mais oui, bien coupé, là. Voilà les souris. Bouge pas. Oh, c'est toujours les mêmes. C'est pas incroyable. Il n'y a pas de discipline là-dedans. Hein. J'ai pris un petit papier parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire. Mais... Alzheimer me guette. Bon, ben bonjour à toutes, bonjour à tous. Je crois que j'ai salué à peu près tout le monde, si ce n'était pas le cas. Bonjour, bonjour. Bienvenue au Méchoui de l'UNC, qui cette année encore accueille. Oui, non, c'est les lunettes. Tu veux les lunettes? Non, qui cette année accueille encore des amateurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'année en année, on en accueille de plus en plus. Il va falloir s'arrêter un jour. Parce qu'on ne va bientôt plus trouver de moutons. Sachant qu'il y a des moutons à Sauton, mais ils sont volés. Ah, ils ont volé. Il fallait mais bien que ça arrive. Mais je me suis enseigné, notre Vendéen... C'est pas lui. Ça vient de là-bas. Il n'y en a pas beaucoup qui partent. On parle des moutons. Ce méchoui, c'est pour certains d'entre nous des souvenirs. On a passé quelques années, globalement 4 ou 5 ans, et on avait 20 ans, mais on a découvert, ça a été une des choses que la majorité d'entre nous a découvert de l'autre côté de la Méditerranée, c'était cette façon de, pour nous qui sortions de l'école, ou presque, on ne connaissait pas tout ça et ça fait partie, pour moi je considère que ça fait partie des bonnes choses qu'on a pu découvrir. Il y en a eu de mauvaises, il y en a eu de moins bonnes, il y en a eu, mais il ne faut pas non plus se voiler la face, il y a eu des bonnes choses. Donc ces méchouis, pour moi, personnellement, je pense qu'il y en a d'autres dans mon cas, ce sont des souvenirs, cette odeur. Non mais ce sont des souvenirs, monsieur. Ah oui, quand est-ce qu'on mange?
cette fois encore, cette année encore, le temps nous est favorable. Alors j'ai déjà entendu des mots en disant « Ouais, t'as été un bon garant, qu'est-ce que ça t'a coûté ?» Je vais quand même tout vous raconter. Ce matin, avec qui vous savez, j'ai réglé un contentieux. Voilà. Mais il s'est réglé... Tout seul. À l'amiable. À l'amiable, exactement. Merci, Christian. Pourquoi ? Parce que... On était en froid depuis notre promenade du mois de mai. C'était quand même... On était en froid, puis on a eu froid. Ouais. Parce que c'était anormal qu'on se soit fait mouiller comme on l'a fait. Donc on a accepté, on a tendu le dos. Ça nous a coûté beaucoup de... Mais je gardais ça et j'ai dit cette année okay. pour le méchoui. Il n'y aura pas de bougie, il n'y aura rien. Tant qu'on n'aura pas réglé le contentieux du mois de mai. C'est fait. Donc on repart à zéro et la prochaine balade, j'irai mettre mes deux cierges et au moins. Réglé comme ça. Au moins. Madame le maire nous fait l'honneur d'être avec nous pour cet apéro parce qu'un jour il faudra quand même que vous restiez avec nous. Je pense que M. Gessant apprécierait peut-être. M. Gessant, il n'est pas là de toute façon. Non, mais pas aujourd'hui. Il est très loin aujourd'hui. Bon, Madame le maire, je fais l'honneur de partager cet apéro. Merci. Merci de votre présence. Merci aux membres des associations AMUI. J'ai vu qu'il y a le président du football. Bon, c'est pas. On est voisins. Merci pour les représentants du club de boules parce qu'ils mettent leurs locaux à notre disposition. Même si, à mon avis, il faudra faire bituer. Hein. Parce que la poussière, c'est pas marrant. Alors, je sais bien que quand je joue au boule, le bitume, c'est pas terrible. Madame Gessant, pour pas faire un tapis démontable comme vous avez fait sur les terrains de foot. Un bitume qui s'enroule ou qui se déroule. Bon, faut y penser. Hein. Oui, quand j'aurai gagné au loto. Alors, merci aussi aux volontaires. Bénévoles, je devrais dire, bénévoles volontaires, qui œuvrent depuis déjà, on va dire quelques jours pour certains, pour préparer tout ça et faire en sorte que on passe tous une belle et bonne journée. Je vous souhaite un bon appétit, un bon méchoui et passez une bonne journée avec nous. Et merci encore au nom du MC. Merci. Voilà, alors nous sommes prêts à goûter le méchoui. Voilà, les anciens combattants avec leurs épouses et les amis, ils sont là. Voilà. Écoutez-moi, les rides, ça fait partie de la vie. Ah oui, parce que
moi cette semaine, j'ai vu à la télévision Brigitte Macron. Mais moi, la mojette, je peux contenter. Vous avez combien de plats de mojette? 6 Un, tous les 8 Non, pas mettre les plats sur la table. Apparemment, il y a un problème d'organisation. Il va falloir régler le problème. Qui c'est qui a un plat vide? Le biloum de M. Liou. Lui, là. Je ne l'ai pas. Il a divorcé avec moi. Bon, alors, d'abord. Et vous partez. Vous partez. Franchement. Vous partez derrière. Voilà. Vous êtes qui? Vous partez à deux. Un plat de mojette, un plat de viande. On a un client. Le blanc. Sur devant. Ah, voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous m'avez pas parlé assez fort. On passe pas par là. Allez, Eh bien, on va se régaler. Hein. Trois gigots, là. Bien là. Vous partez tous les deux. Bon, on va y arriver. Hein. Je suis sûr qu'on va y arriver. Vous partez tous les deux ensemble. Et... Un, deux, trois. Il y a le président, qui se retrouve comme qu'il était. Vous perdez à deux. Comme quand il était dans la marine. C'est toi qui mets l'air ici. Oui. C'est net. Après avoir festoyé, la place a été nettoyée. Il ne reste plus rien. À l'année prochaine.